suis petite. Bonjour. Je suis énervée. Mais je suis bien réveillée, parce que j'ai bien dormi. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai un foulard, c'est parce que ça fait un mois que j'enchaînais sur torticolis. Un mois. Donc le vlog d'avant, de même quand j'ai fait l'audition, j'avais déjà un torticolis. Ok? Je sais pas pourquoi je gueule comme ça alors que frère, je parle à mon téléphone en fait. Mais les gars, j'en peux plus, je suis cassée. Et ce matin, genre là, j'ai repris les cours et tout après les vacances du coup. Donc après le vlog et tout, j'ai repris les cours, ça fait 2 semaines. Et là, du coup, c'est ma deuxième semaine. C'est ma deuxième semaine? Oui, c'est ma deuxième semaine de reprendre les cours après le spring break. Et j'ai encore des horribles torticolis. Je suis allée chez la PT en 3 semaines. Donc la PT, c'est la kinéthérapeute. Je suis allée, sans déconner, 4 fois. 4 fois en 2 semaines. Même pas 2 semaines, en 1 semaine et demie. Voilà, donc tu te demandes. Si j'ai pas un cancer de la nuque. Moi je me suis dit ça parce que quand tu regardes les trucs sur Doctolib, Doctissimo et tout, les trucs comme ça là. Bah voilà. J'ai pas le cancer. C'est juste que. Attendez. Là j'en rigolais tout dans ma vidéo, mais je vous jure c'est épuisant d'avoir mal au dos. Sachant que moi déjà de base, je suis une personne en gros qui a des trapèzes hyper tendus. Je sais pas si c'est genre un. Je sais pas comment dire, mais genre en mode c'est commun ou quoi. Mais moi, à chaque fois que depuis petite que je vais chez le médecin, etc., et qu'il me manipule et tout, et trucs comme ça, j'ai toujours eu des problèmes de nuque. Parce que déjà, je suis née avec la tête qui était tournée, je sais plus comment, comme ça, je crois. En fait, le médecin il a dû genre me remanier tout, et trucs comme ça. Ce qui a fait que ça a fait un peu des dégâts au niveau du dos et tout. Et moi, j'ai choisi de faire du sport et d'être danseuse. Enfin, j'ai pas compris quoi. Je comprends pas. On va pas pu être avocate. J'aurais pas pu être avocate. C'est très bien avocate. C'est très bien avocate. En fait, je pense que ce que j'ai besoin vraiment là, c'est. Déjà, je vais faire des électrodes tout à l'heure. Là, j'ai une pote qui ramène des trucs d'électrodes. C'est des trucs, des patchs que tu poses. Et tu augmentes l'intensité de l'électricité, etc. Enfin, je sais plus c'est quoi, mais bref, ça fait crac, crac. Ça va contracter mon muscle à fond et tout. Le contracter, décontracter et tout pour le détendre et pour faire circuler le sang parce que je pense que j'ai du sang qui circule mal et tout dans mon dos et donc dans ma nuque. Et donc, ce qui fait que je me coince tout le temps et que aussi, il y a un truc hyper qui est. Je sais que ça fait. C'est une part de mon mal-être au dos. C'est que j'ai une blessure à cette épaule droite que je sens quand je. En gros, j'ai un conflit sous-acromial. Tu recherches direct là, tu vas rechercher. Mais en gros, un conflit sous-acromial, c'est mon os qui frotte à. C'est mon os de l'épaule qui frotte à mon os de ma clavicule. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Et donc ça fait un frottement comme ça, tu vois, et ça s'use parce que je tourne l'épaule, je fais des trucs et tout machin avec. Et ça s'use. Et moi, vu que j'ai les épaules et que je suis, mon corps est hyper laxe aussi, mais genre hyper laxe à la mort, quand j'utilise, je me déboîtais les épaules. Et ça aussi, c'est un truc qui joue de ouf, c'est quand tu te déboîtes plusieurs fois les épaules, normalement tu dois faire une chirurgie. Tu dois te faire cisailler une partie de l'os pour que ça ne frotte plus et que ça passe. Vous croyez que j'ai fait? Non, j'ai pas fait. Ça fait même mal quand je dis ça. C'est 6 mois. 6 mois, je crois, de. Donc 6 mois, c'est la moitié d'un an. 6 mois, tu fais pas de sport. Et ensuite, c'est 9 mois de rééducation. Il me semble. C'est un truc du genre comme ça. Moi, je suis professionnelle maintenant. Je sais qu'il faut écouter son corps. Mais on a trouvé une alternative avec les kinés et tout que j'avais vu à Paris. Très bon kiné qui s'occupait d'ailleurs de Paris Saint-Germain. Enfin, de l'équipe de PSG. Voilà. Et en fait, je dois me muscler. Je me muscle. Je fais alors les push-ups, mais voilà. Mais sans non plus genre refaire de la gonflette. Faut pas que je soulève des poids lourds. Ça ne sert à rien. Il faut que je fasse
des exercices de mobilisation, sachant que j'ai une scoliose. Du coup, je trouve que ça fait. Oh, bref, t'as capté, de toute façon, je suis cassée du dos. C'est dur de gérer une chaîne YouTube. C'est dur de vouloir faire tout en même temps. Danse, YouTube, influenceuse, je ne sais plus qui je suis. Non mais tout ça pour dire que, en gros, si vous n'avez pas suivi sur Instagram, et c'est pour ça qu'il... Je dis ça comme si je suis hyper connue. Vous venez tous d'Instagram pratiquement. Donc bref, si vous n'avez pas suivi, hier j'ai hosté la première partie de ma vie. Et je suis trop contente parce que ça s'est super bien passé, c'était trop bien. Les gens étaient good vibes, ils sont venus pour la musique et pour danser. Et c'était trop bien, et vous avez bien vu, on a fait les fous. Voilà, voilà. On était trop beau, tout le monde était trop beau, mes amis étaient trop contents et tout. Et moi aussi, je suis trop contente. Et du coup, c'est la première partie, la soirée. C'était une soirée après-midi que j'ai organisée et tout avec un DJ, etc. et d'autres personnes, deux autres personnes. Et donc, on va en réorganiser une normalement à la fin du mois. Voilà. Et si vous comprenez pas trop, il faut aller sur Instagram si vous regardez que les vlogs. Coucou! Oh merde, c'est on a passé la barre des 300 abonnés sur YouTube et j'ai eu 400 vues sur mon dernier vlog en même pas 2 semaines. Oui, bon cours, bisous, à tout à l'heure au bronzage. Elle est là, c'est elle, c'est elle. Du coup, là c'est cours d'Orton, level 2. Là-bas il y a pas mal de musiciens. You put the pedal back on and you're able to. Thank you.
moi je danse pas. Comme vous avez pu le voir, il parle beaucoup. Il parle trop. Et en fait je danse pas parce que j'ai mal au ventre. J'ai trop mal au ventre, vraiment. J'ai mes règles là, on dirait que je suis enceinte. Genre je m'en fous, franchement je suis sur YouTube, je m'en fous. Mon ventre il est comme ça, il fait wouh. Voilà, bon je vais aux toilettes, bisous. Je suis de retour. Ce que je voulais dire, c'est que Tahir, elle sait pas encore. Enfin si elle le sait, mais c'est une star. Elle est trop belle, elle danse trop bien. Voilà. J'étais à deux doigts de faire un malaise. Allez, fais une transition Tahir. You don't want to do it from the shoulders going back. You want the knees going forward, and then you take, you resist with the shoulders, shoulders, shoulders. À Central Park. On va bronzer parce qu'il fait 25 degrés. Aïe 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 aïe.